Bonsoir, salut à toutes et à tous les amis, et avec nous pour la seconde fois, très ravi d'accueillir François Manardeau. Bonsoir François, bienvenue à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, vous nous faites une petite mise à jour de ce que vous faites depuis la dernière fois. Vous êtes encore sur RMC? RMC Sport, mais RMC beaucoup Sport. de BFM et de BFM Sport pendant ce gros mois de Coupe du Monde. Et puis, Séville avec l'UEFA, ma foi, c'est terminé puisque Séville ne s'est pas qualifié. Et en revanche, avec mes petits copains de l'UEFA, on va glisser sur Valence, ce qui est pas mal non plus, d'ici quelques jours. Et puis après, on attendra le tirage au sort pour voir dans quel groupe Valence va jouer la Champions League. C'est un retour pour le club espagnol. Et puis, je reprends aussi mes cours avec mes étudiants à la rentrée de septembre. Ça va être tout. D'accord, en tout cas bienvenue à vous, très ravi de vous accueillir. Je vais Merci. commencer par une question, je pense que vous avez regardé la Coupe du Monde, vous en avez... Ah ben Bon. oui, est-ce que je peux vous dire oui, pour la regarder, oui. On la regarde, oui, on n'arrête pas. Vous êtes satisfait du spectacle? Jusqu'ici on est pratiquement à la fin, est-ce que vous êtes ravi de ce que vous avez vu tout au long de cette Coupe du Monde? Moi, je suis un peu, peut-être un peu sur ma faim en termes de jeu, parce que finalement, enfin, moi, je trouve qu'on a eu dans cette compétition la démonstration que beaucoup de sélections nationales qui n'ont pas la chance d'avoir un grand joueur créatif ou des joueurs qui offensivement sont capables de faire des différences collectivement et individuellement, beaucoup de ces sélections-là ont quand même. Alors, c'est toujours un petit peu délicat de le vérifier parce que ce sont des cycles de 4 ans, ce qui est très très long en sport, mais défendre bien, défendre de manière très très huilée, bien organisée, avec une science des replacements, des couvertures. Quand justement dans l'équipe d'en face, on trouve un ou plusieurs joueurs de qualité supérieure. Donc je trouve qu'on a eu quand même pas mal de matchs assez fermés. Mais je pense, sauf si ma mémoire me fait défaut, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on vérifiait aussi souvent dans les premiers tours. Et puis après, quand on arrive évidemment sur les matchs couperet, à partir des huitièmes, ça doit forcément se débrider. Alors, il y a les équipes qui vont attendre que l'adversaire fasse une erreur pour essayer de l'exploiter à fond. C'est les équipes normalement un peu plus faibles. Et puis, il y a les équipes qui prennent le jeu à leur compte et qui dégagent forcément une force dans le jeu plus intéressante. Après, il y a des équipes comme l'Argentine qui ne savent pas défendre parce qu'elles n'en ont pas les moyens, qui ont le meilleur joueur du monde, mais qui est pas flamboyant non plus et qui en prennent 4 contre la France, quoi, au cours d'un match qui a été pour moi un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. François, est-ce que pour toi, on est à un tournant du football, c'est-à-dire que pendant 5-6 années, c'est le football de possession qui a régné sur le monde, sur l'Europe notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des équipes qui pratiquent plus les jeux de transition ou des équipes avec plus de caractère ou alors des philosophies différentes comme la Belgique avec un 3-4-3? Est-ce qu'on est à une transition, on a une étape, une phase Non, de je pense. transition? Non, je pense pas. Je pense pas. La possession, elle est. Pour moi, c'est une espèce de faux sujet parce que on l'a vérifié. L'Argentine a eu presque 75% de possession contre l'Islande. L'Espagne contre la Russie en huitième, c'était peut-être plus important. Quand vous avez, si vous êtes sur un 25-75 ou un 20-80, et que c'est l'équipe qui a le moins de possession de balles et dans de telles proportions qui arrive à tirer son épingle du jeu, en fait, la possession ne veut plus rien dire. Ça veut dire que si vous avez eu 80% de possession et que vous n'avez pas remporté le match d'une manière aussi nette, aussi supérieure que votre possession
le laisse entendre, c'est que vous n'avez pas su quoi faire de la balle. Et si vous ne l'avez pas su, c'est que l'adversaire, défensivement, vous a posé de vrais problèmes, mais surtout que offensivement, vous n'avez pas eu les moyens de provoquer l'étincelle, de mettre le bâton de dynamite dans la défense. L'Espagne, ça m'avait marqué, était, je crois, à 1280 passes contre la Russie, et la Russie, à peu près 1000 de moins. Vous vous rendez compte, un écart aussi abyssal pour arriver à une séance de tir au but sur 120 minutes, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé les solutions, vous n'avez pas eu à ce moment-là les joueurs et la fraîcheur sans doute aussi avec, qui à un moment avec une telle possession, une telle circulation de balles, il n'y a pas de contre-appel, il n'y a pas même je dirais presque d'appel, il n'y a pas de capacité à trouver de décalage, parce que je ne vais pas parler de profondeur, parce que c'était presque un match attaque-défense Espagne-Russie. Donc, c'est les joueurs, à un moment donné, qui ont pas l'inspiration. Et vous pouvez vous faire des passes latérales pendant 24 heures. Hein. Ça change rien. Donc, la possession, c'était, ou c'est pour moi, une espèce de leurre. Donc moi, je voulais savoir, en tant qu'ancien chef de la communication de l'équipe de France, ouais. On a vu pour la première fois dans une conférence de presse, pour moi, un journaliste utiliser son téléphone pour traduire une question. Comment on peut réagir avec l'arrivée des nouvelles technologies qu'on peut gérer pour les joueurs, mais face à la presse qui va utiliser ces nouvelles technologies? Ouais, c'est un détail assez sympa. Mais il faut juste s'adapter, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de problème particulier. Non, aucun. Même c'est juste une question de s'adapter à ces technologies. Moi, je trouvais ça très bien fait. C'était assez propre dans le rendu. Donc, je trouvais ça assez bluffant. Je vais revenir au niveau des résultats. Par exemple, aujourd'hui, alors je prends une sélection comme ça au pif. Hein, par exemple, la Tunisie. Vous avez pensé quoi? Vous êtes déçu ou... Catastrophique. Très déçu, ils perdent de justesse contre l'Espagne en préparation. Ils vont faire un match nul au Portugal. Alors bien sûr, il aura manqué Msakni parce que bon, il se fait les croisés quelques mois avant la Coupe du Monde et c'est le joueur offensif le plus important. Mais honnêtement, c'est dans mon top 3 des flops. Alors évidemment, je mets le Panama dedans, on s'y attendait un petit peu. L'Égypte aussi qui bon même un peu avec Salah mais absolument rien montré, mais la Tunisie de mémoire je n'avais pas le souvenir d'une équipe qui défende aussi mal collectivement et individuellement, c'est-à-dire que le match contre l'Angleterre, j'avais l'impression que sur chaque coup de pied arrêté pour les Britanniques, chaque coup de pied arrêté, les Tunisiens étaient en danger parce que incapables de communiquer entre eux sur les marquages, faibles dans les duels alors qu'il y a de la taille hein, en défense centrale, notamment avec Ben Youssef, totalement... incapable, mais vraiment de se faire trois passes pour ressortir le ballon, j'ai trouvé, moi, une sélection tunisienne apeurée, totalement dépassée par l'enjeu, presque comme si elle ne réalisait pas qu'elle avait une carte à jouer, des possibilités. Moi, bon, c'est vrai que l'Angleterre bat de justesse la Tunisie, mais honnêtement, sincèrement, si la Tunisie avait arraché un match nul contre l'Angleterre sur son premier match, pour moi, ça aurait relevé du miracle. C'était juste hallucinant de faiblesse défensive à ce niveau, je vais même pas dire à ce niveau-là, il y avait des choses qui pour moi relevaient du béaba dans les duels aériens. Ben, on n'avait même pas ça. Et contre la Belgique, la Tunisie en prend 5
si les Belges sont un peu plus lucides et concentrés, je pense que ça peut terminer à 8 ou 9. Catastrophique. Mais comment vous expliquez l'échec des équipes africaines? Vous avez parlé aussi de l'Égypte. Il y a deux choses à distinguer. Il y a les équipes d'Afrique noire avec le Sénégal et le Nigeria et les équipes arabes maghrébines. Alors, les équipes d'Afrique noire, que ce soit le Sénégal ou le Nigeria, ont toujours eu, et ça s'est encore démontré physiquement, une culture de la des duels, des efforts, qui fait qu'elles sont supérieures, et on le voit même assez souvent, on peut le vérifier au niveau de la CAN, et on a moins la culture des duels dans le football maghrébin, exceptionnellement je vais inclure l'Égypte hein, dans le Maghreb, mais techniquement ça se rapproche. On a, dans l'Afrique en général, techniquement, un niveau assez similaire, sauf qu'il y a une tendance peut-être à jouer de manière plus verticale du côté des équipes d'Afrique noire et un peu à préparer la circulation du ballon dans les équipes maghrébines, à, des fois un peu dans l'excès même. Sauf que là, que ce soit l'Égypte, la Tunisie, alors le Maroc peut-être était, après la défaite très très difficile, je pense, à digérer pour eux contre l'Iran, c'est un peu ressaisi, mais avec le Portugal et l'Espagne, c'était quand même deux sacrés clients pour eux. Mais moi, je trouve que c'est toujours dans la préparation mentale de ces équipes pour aborder une phase finale comme la Coupe du Monde, comme si presque le simple fait d'être qualifié, en fait, leur suffisait. Comme si les ambitions, après, se liquéfier au moment de se dire non mais en fait on peut espérer faire quelque chose. Alors oui, la Tunisie, on l'a dit dès le départ, avec la Belgique et l'Angleterre, ça allait être très très compliqué. Le Maroc avec le Portugal et l'Espagne également, et l'Égypte avait un groupe plus ouvert et a été battue par l'Arabie Saoudite, qui est quand même une sélection faible, très faible. Après, le Sénégal s'est passé à 3-1. Et le Nigeria, pas beaucoup non plus, quoi. Donc là, c'est une forme de régression. Mais quand on regarde les CAN ces dernières années, enfin tous les deux ans finalement, on s'aperçoit. Enfin moi, je trouve que perso, le niveau des CAN, il est un peu plus faible année après année. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus des staffs comme c'était le cas auparavant, parce que souvenez-vous-en. Avant, les CAN se disputaient les années de Coupe du Monde. Donc, vous aviez les équipes qualifiées pour les Coupes du Monde sur les 5 Africains qui avaient tendance à bouleverser tout leur staff à 6 mois d'une Coupe du Monde parce qu'ils avaient été en échec à une CAN. Et ça, c'était jamais bon parce que du coup, ils allaient choper des... Alors là, vraiment, pour le coup, des mercenaires, il n'y avait pas de stabilité. Donc, ils avaient aussi changé les années de Coupe du Monde de CAN en les mettant les années impaires pour s'éviter ça. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une forme de stabilité, mais après, dans l'approche de la compétition, dans le jeu proposé, dans surtout la préparation, je dirais, un peu psychique, quoi, pour aborder ce genre de compétition et mettre le bleu de chauffe, parce que c'est d'abord physiquement que vous devez vous imposer avant que la technique déroule. Là, j'ai trouvé les équipes africaines, à part le Sénégal et le Nigeria, je les ai trouvées pas au point, et vraiment la Tunisie et l'Égypte. Terrible déception. Moi, j'ai une question, ça concerne plus l'équipe de France, donc c'est sans transition, mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France? On l'a beaucoup critiqué durant les phases de poule pour le jeu proposé. Finalement, on se rend compte qu'elle fait preuve de caractère dans cette phase finale. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bah, t'as tout résumé. L'équipe de France, elle a fait trois matchs de poule qui étaient franchement moyens. Décevant. On devait retenir la victoire dans les deux premiers matchs aussi, mais on pouvait aussi s'inquiéter de la faiblesse dans le jeu offensif, du manque de j'allais presque dire du manque d'allant. Et puis le match pour la qualification en quart, donc le match des huitièmes, moi je l'ai ressenti comme une forme de déclic. D'abord,
c'est un match qui ne ressemble à aucun autre, puisque c'est un match couperet. Ils en jouent quand même peu dans leur carrière. Alors, ils en jouent en Coupe de France, certes, mais on peut difficilement comparer l'impact, la pression d'un match de Coupe du Monde par rapport à un match de 32e ou de 16e de finale de Coupe de France, et ainsi de suite. Ça, c'est pas comparable, même si c'est la même forme, ça passe ou ça casse. Et là, je pense que le côté débridé du match contre l'Argentine, où ça s'est débloqué très vite, le fait d'avoir été mené au score, de revenir, et puis de prendre l'ascendant, et puis encore d'avoir une petite frayeur jusqu'à la fin, moi, en tout cas, j'ai ressenti que ça avait servi vraiment de déclic. C'est-à-dire que j'ai trouvé à partir de ce moment-là une confiance qui était déjà présente, hein, mais une confiance et surtout une détermination et un sang-froid absolument fantastique. Maintenant, je trouve aussi que le match des Belges contre les Brésiliens les ont totalement portés à un niveau encore supérieur de confiance en eux. Donc, le duel de demain soir, il va être extrêmement serré et excitant à voir. On voit là, pour une nouvelle fois, on a en demi-finale plus que des pays européens. On parle beaucoup de la déception des pays africains, mais on peut aussi parler de la déception des pays sud-américains qui n'arrivent plus à gagner la coupe du Monde. Bon, ils la regagneront. Ils la regagneront. Après, on dira peut-être que l'Argentine et l'Uruguay sont tombés sur le futur vainqueur de la Coupe du Monde. Non, mais il y a du côté des Sud-Américains, bon, l'Argentine mal coachée, avec un Messi qui a des problèmes un peu extra-sportifs avant le début de la compétition, un amalgame de joueurs, ça a du mal à prendre. Le Pérou était en deçà, ok. Le Brésil a raté un match, et encore a raté peut-être même une mi-temps, et l'a payé très très cher, mais sinon c'est quand même une très très grosse équipe, avec un excellent sélectionneur, qui reste d'ailleurs, il me semble. Et l'Uruguay a fait, j'allais dire non, avec le maximum de ce qu'elle avait, mais il y avait l'absence de Cavani à peser, certainement, côté uruguayen, à la fois dans le jeu, mais à la fois aussi dans la confiance qu'il peut donner à ses coéquipiers, parce qu'ils savent tous que le binôme Suarez-Cavani fait partie des duos d'attaque comme ça, parmi les meilleurs dans cette Coupe du Monde, en tout cas les meilleurs au monde quand ils sont en forme. Et puis je crois que je n'oublie personne, Uruguay, Argentine, Brésil, et oui, la Colombie, là encore, un peu un coup du sort, sans James. C'était un football qui est pas passé très très loin, mais bon, on a eu quatre sélections en huitième sur cinq qualifiées. C'est pas un échec du tout. Après, l'Argentine est tombée vraiment sur plus forte qu'elle, l'Uruguay aussi. Le Brésil s'est fait surprendre, et la Colombie, bon, on connaît tous le scénario, hein, ça va au tir au but. Et là, les tirs au but, c'est une question de performance individuelle, c'est plus une question du tout de performance collective. Donc on peut pas dire les meilleurs tireurs sont dans telle ou telle équipe. J'aimerais savoir votre révélation en termes de joueur. Quel joueur vous a le plus bluffé? On la connaît tous, elle est chez nous. Elle est chez nous. Ouais. Mbappé. Oui, je pense qu'il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. On fait ce qu'on veut, mais moi, je vais, de mon côté, en tout cas, je vais arrêter avec les superlatifs, parce qu'il a répondu présent. Évidemment, on l'attendait, hein, aussi dans ce tournoi, nous les Français, parce que ça fait maintenant un an et demi, deux ans qu'on le connaît. Moi, je l'avais découvert. Il y a deux ans, à l'été 2016, championnat des U19 en Allemagne, remporté par la France. Je me souviens d'un match de poule, je crois, contre la Croatie. Il y avait, outre la vitesse et l'accélération, il y avait techniquement des gestes
qui moi me trompait pas, et j'avais dit à l'époque, et je, évidemment je me suis fait renvoyer dans mes 22, mais ça n'est que sur Twitter, donc c'est pas c'est pas du tout à prendre au sérieux, mais j'avais dit que il irait en Russie s'il se blessait pas. Et je suis content de pas m'être trompé, parce que on en a vu des phénomènes, mais des comme lui en France, moi jamais. De ma génération, hein, jamais. J'étais trop petit pour l'essor de Michel Platini à la fin des années 70, et Zinedine Zidane, il avait 22 ou 23 ans à l'occasion de sa première sélection. Il fait sa première phase finale en 1996 et il fait ses débuts en équipe de France en 94. Là, il a 19 ans. J'ai une curiosité mêlée à une excitation très forte de voir l'accompagner comme spectateur la trajectoire de ce gamin dans ce sport, quoi. Justement, je vais faire la transition avec le PSG, du coup. Qu'est-ce que t'inspire l'actualité du PSG? L'arrivée de Tuchel, l'arrivée de Buffon, les rumeurs sur Neymar. Si on te dit PSG aujourd'hui, à quoi tu penses? Qu'est-ce que t'as? Gros point d'interrogation. Pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Je pense que moi, j'ai un doute sur la capacité de Thomas Tuchel à piloter ce vestiaire, en tout cas à se l'approprier pour bien l'accompagner, parce que je pense que c'est un vestiaire qui est très compliqué. Je pense que c'est un vestiaire qui va récupérer aussi un Neymar qui a affiché un état d'esprit dans le jeu, hein, et qui est devenu une espèce de clown mondial. Et moi, je n'ai jamais vu, parce que c'est un phénomène, Neymar. C'est vraiment un phénomène. C'est un des trois meilleurs joueurs au monde. Je le maintiens. Je le pense, comme beaucoup, beaucoup d'autres. C'est pas original pour moi de dire ça. Mais en revanche, je n'avais jamais connu un joueur qui a ce potentiel, ses qualités extraordinaires, devenir la risée du monde entier par sa faute, par ses simagrées sur le terrain, ses simulations. Je vois ça fleurir tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux. La Coupe du Monde, elle a ça aussi de terrible, c'est que quand ça se passe mal, eh ben ça se passe mal à l'échelle planétaire. Et il a quoi? Il a 25 ans, très jeune encore. Je sais pas dans quel état d'esprit on va le récupérer, mais ce que je sais, c'est que s'il ne tire pas quelques leçons de son attitude, de ce qu'elle reflète dans les yeux de ses coéquipiers, de ses entraîneurs, du public, parce que vous faites ce sport aussi pour donner quelque chose au public. Sinon, on fait tous les matchs à huis clos et tout le monde s'en fout. S'il ne change pas quelque chose, je ne sais pas ce que ça réserve à son club et dans le vestiaire dans lequel il évolue. Donc, comment Tuchel va aussi gérer ce cas-là? Comment est-ce que la relation va s'établir au fur et à mesure que les résultats vont tomber? Alors, championnat de France, encore une fois, ce qui est très compliqué d'ailleurs avec le PSG, c'est que au niveau domestique, il n'y a pas grand-chose à dire. Et au niveau de la Champions, le moment de vérité, il arrive en février-mars. Donc, ça vous laisse 7 mois quasiment où vous êtes à peu près sûr que les résultats, ils vont être sur un bilan
très 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 largement favorable. Donc c'est toujours difficile de se faire une opinion sur la réelle valeur du Paris Saint-Germain, parce que il domine tellement la Ligue 1 de la tête et des épaules, et des pieds surtout, que le regard il peut être un peu biaisé sur le PSG. Mais c'est la raison pour laquelle, comme c'est un regard biaisé, à mon sens, moi je vous mets un énorme point d'interrogation. Moi, je voulais juste parler. On a vu l'UEFA qui a annoncé dans un premier temps que le PSG était plus ou moins relaxé par rapport au fair play financier. Ouais. Puis après, elle est revenue sur sa décision. Comment on peut expliquer ça? Et au niveau communication, est-ce que ça a été bon d'annoncer au final qu'ils étaient relaxés, vu qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est la pression due aux autres clubs qui a fait qu'ils sont revenus dessus? Là aussi, j'ai un point d'interrogation. Moi, je pense et je sais, je ne vais pas vous dire un peu le contraire, parce que je travaille aussi pour eux. Parce que l'UEFA c'est une très très grande maison dans les deux sens du terme, que il y a une obligation du Paris Saint-Germain de vendre, ça on l'a tous compris, que le Paris Saint-Germain a commencé à le faire, doit le faire pour rentrer dans les clous. Après, moi je ne crois pas à la pression agressive de la part des autres grandes écuries européennes. Je pense plus peut-être à une forme de lobbying, une espèce de pression soft pour que absolument le Paris Saint-Germain soit dans les clous au niveau du FPF. Mais c'est pas parce que vous faites du lobbying que ça fonctionne. Rien n'interdit à Barcelone, à Manchester United, à la Juve, au Real, au Bayern de faire du lobbying. Rien. Mais après, il faudrait que ça fonctionne et qu'on en vérifie les effets. Et ma foi, si le Paris Saint-Germain fait ce qu'il doit faire pour équilibrer ses comptes et de rentrer dans les clous du FPF, bon, on ne pourra absolument rien leur reprocher. Absolument rien. Et s'il y a eu effectivement un lobbying de la part d'autres clubs, un peu jaloux de la manne financière du Paris Saint-Germain, bah, ce sera leur problème. J'aimerais vite revenir sur le cas Thomas Tuchel. On sait que il a été placé, on va dire, par l'émir, lui-même l'a confirmé en conférence de presse. Est-ce que c'est pas un, on va dire, un désaveu pour Nasser Al-Khelaifi, le fait que ça soit directement Doha qui mette, pour la première fois d'ailleurs depuis l'arrivée du PSG en France, un entraîneur? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je trouve pas ça gênant. Comment dire? Je trouve pas ça gênant, si vous voulez, quand dans un club, la tête pensante, et qui est celle qui décide, c'est cette personne-là qui va toujours, et je dis bien toujours, être la première personne et la dernière personne à décider. Je trouve ça équilibré, juste. Il y a un patron, et c'est le patron qui prend la décision la plus importante, c'est-à-dire quel entraîneur je vais nommer, à qui je vais donner les clés du camion. Ce qu'on peut tous vérifier, c'est que dans le management directif du Paris Saint-Germain, on a eu encore là récemment donc la preuve que il y a un président délégué qui a fait des choix. Ok, c'était sa mission. Il choisit Carlo Ancelotti, il choisit un directeur sportif, puis il choisit, il est mis devant le fait accompli quand Ancelotti part. Il choisit l'entraîneur, très bien. On a pendant quelques saisons une espèce de flou artistique sur le rôle d'un directeur sportif qui est adjoint mais qui est pas adjoint, bref. Ensuite, il reconduit cet entraîneur, mais il y a un échec contre Manchester City, donc on doit sortir un chèque de 22 millions d'euros, ce qui doit être rien pour les Qataris, mais ce qui, au niveau du club, c'est difficile à comprendre pour les gens qui y travaillent. Et puis il choisit un nouvel entraîneur, très bien. Il choisit enfin un directeur du foot.
qui s'avère être un casting qui relève de l'échec total, Patrick Kluivert. Et maintenant, on lui choisit un nouvel entraîneur. Après qu'il ait lui aussi, ah oui, j'y viens, choisi l'année dernière encore un nouveau directeur sportif. Quand on voit comment fonctionnent les grands clubs, ils sont pas nombreux, hein, les grands clubs qui s'attablent autour d'une compétition que Paris veut gagner, qui se réunissent avec un Paris Saint-Germain qui veut absolument, et pour des raisons évidentes, et c'est normal, faire partie de ce sérail-là, mais Paris est le seul à avoir cette forme de management. Paris est le seul club à avoir cette espèce de flou artistique sur un coup c'est toi qui décides, ben maintenant c'est l'émir. En plus, l'émir, semble-t-il, a décidé sur le conseil d'un diplomate qatari basé en Allemagne. Après, si ça fonctionne, parce que c'est ça qui est surprenant dans le football, c'est qu'il n'y a pas, comme c'est pas, enfin, comme c'est une science inexacte, c'est qu'il peut y avoir n'importe quelle recette qui fonctionne. Mais est-ce que ça fonctionne sur la durée? Je sais pas. Moi, quand je regarde le fonctionnement d'autres clubs, et même si on prend l'exemple de Manchester City, parce qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre City et le PSG, c'est des fonds qui viennent du golf, c'est un club qui a un nouveau riche, qui, sur la scène nationale, s'est imposé depuis ces dernières années. Il faut quand même rappeler que le Paris Saint-Germain, avant l'arrivée des Qataris, c'est seulement 2 titres de champion. Alors, c'est beaucoup de Coupe de France, mais c'est un club très très jeune aussi, qui date de 1970. Les choses sont plus cadrées, carrées. Et c'est pour ça que je me répète, mais moi, je mets un gros point d'interrogation, avec un clignotant, même si ça peut vous faire plaisir, sur cette saison du Paris Saint-Germain. Je ne m'inquiète pas, encore une fois, sur la Ligue 1, je vous parle même pas de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, mais je m'inquiète quant au management de ce vestiaire et au moment où il faudra un jeu plus préparé, plus cadré, au moment où ça va compter en Champions League. Moi, ma question, c'est est-ce que cette décision de mettre Tuchel directement par le Qatar, etc., oui. Est-ce que c'est un désaveu et pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui... Nasser Al-Khelaifi peut être remplacé, selon vous? Parce que... Je pense savoir même qu'il y a le frère de l'émir qui aimerait bien, à un moment donné aussi, se retrouver sous la lumière des feux de notre ville, quoi, de Paris. Alors, je vais vous couper juste pour... Enfin, vous avez lancé ça. Le 21 mars dernier, sur Ville Lumière, on dit pas qu'on est... voilà. On a lancé une information, comme quoi Nasser Al-Khelaifi sera remplacé par Johan Altani, donc le frère de l'émir. Est-ce que vous avez des informations aussi là-dessus? Non. Moi, je suis consultant. Je consulte rien. Des bruits de couloir, peut-être. Je commente l'actualité, mais c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. Et la décision de Thomas Tuchel, en revanche, elle vient contredire cette rumeur-là. Parce que si on voulait mettre Al-Khelaifi en difficulté, on lui aurait dit « Bon, ben, tu choisis l'entraîneur. Si tu te plantes, en revanche, tu sautes. » Là, si Tuchel se plante, ben, Khelaifi, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il va expliquer que c'est pas lui qui l'a choisi. Moi, je voulais savoir, on sait qu'il y a aussi par rapport au fair play financier, je voulais revenir dessus, on sait qu'il y a un club belge, Seringue, qui est représenté par Maître Dupont, qui est assez connu dans le foot pour l'arrêt Bosman, qui prépare une attaque sur le TPO, la tierce propriété. Est-ce que cela peut arriver? Est-ce que l'UEFA est prête à une révolution aussi sur le fair play financier? Au niveau de la tierce propriété? Oui. C'est-à-dire, attendez, entre la tierce propriété et le fair play financier? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'UEFA essaye, enfin la FIFA essaye de faire en sorte que ce système n'existe plus. Celui de la tierce propriété. C'est-à-dire que des joueurs appartiennent à des agents qui les louent en quelque sorte au club. Mais là, moi, je ne vais pas trop entrer dans le sujet parce que je ne le maîtrise pas bien, mais... on rentre sur des questions de législation à l'échelle européenne.
sur laquelle le football se heurte toujours. Parce qu'il y a des codes dans le football qui ne ressemblent pas toujours à ce qu'on peut rencontrer, vous et moi, dans le cadre du droit du travail à l'échelle européenne. Après, je ne voyais pas trop le lien avec le fair play financier, je ne vous cache pas. J'ai une question plus relative à la pérennité du fair play financier. Est-ce que pour vous, il a un avenir, le fair play financier? Il est beaucoup critiqué. On a vu que le PSG n'a pas été sanctionné, donc finalement, est-ce que ce fair play financier a un avenir? Oui, il a un avenir, parce que le fair play financier, c'est pas quelque chose qui est imposé au club. Donc il a un avenir parce que c'est dans l'intérêt des clubs qu'il a un avenir. C'est les clubs avec l'UEFA qui sont mis autour d'une table et qui ont édicté les règles du fair play financier. C'est pas l'UEFA seul dans son coin qui l'a fait. Ça a été quelque chose d'extrêmement bien partagé entre certains grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain d'ailleurs, et l'UEFA. Donc, c'est dans l'intérêt des clubs européens que le fair play financier évolue, avance avec eux, avec des aménagements, sans doute, mais c'est dans l'intérêt des grands clubs européens. Et de l'UEFA, évidemment. Juste pour conclure, votre pronostic pour demain soir. Ça, c'est la question que je redoute le plus. Ça, c'est la question, mais cette question-là, si vous saviez à quel point elle m'emmerde, mais... Honnêtement, bon, évidemment, j'espère que la France va battre la Belgique, évidemment, mais c'est tellement, tellement, tellement serré. Moi, je pense que ça risque de se jouer au tir au but. Aïe, c'est pas bon, hein, Hugo Lloris, c'est pas du tout un spécialiste des tirs au but. Ouais, après, sur une, c'est, y a pas que le gardien, il y a les tireurs aussi. Hein. Et les tireurs aussi. Ça, je pense que ça peut se jouer au tir au but. Parce que je vois un match tellement serré. Après, au bout de, je vais dire, 10 minutes de jeu, on devrait avoir une idée un peu du rapport de force entre la théorie et la pratique. Et c'est la théorie, là, on en parle tous depuis 3 jours. Et dans la pratique, on va voir comment les débats se déroulent mardi soir. En tout cas, si ça va au tir au but, Roland Courbis a expliqué hier dans l'after qu'il faudrait faire tirer les gauchers. Alors, j'ai pas écouté Roland dans l'after le dire, mais moi, dans mon vécu et le partage d'infos avec la DTN quand j'étais à la fédération, en termes de pourcentage, ce sont les gauchers qui se loupent plus souvent que les droitiers. Ça ne se vérifie pas, évidemment, à chaque séance de tir au but. Enfin, vous aurez remarqué que celui qui a loupé avec l'Espagne, c'est Thiago Aspas, qui est gaucher. Mais en termes de pourcentage, alors attention, il faut relativiser ça, parce que de toute façon, dans le pourcentage, vous avez moins de gauchers que de droitiers qui tirent. C'est normal, parce qu'il y a moins de gauchers que de droitiers dans la vie. Mais ils ont tendance plus facilement, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais à se louper. Parce que quand vous êtes gaucher, vous pouvez le vérifier aussi dans d'autres sports, hein, des sports de précision, comme le tennis, par exemple, vous avez tendance à être, vous êtes plus précis quand vous êtes gaucher. Parce que, je vais pas vous le dire, enfin, je vais pas vous expliquer là, mais vous utilisez votre hémisphère droit. Et c'est dans l'hémisphère droit que, je vais dire, se trouve la partie qui nous rend plus précis. On vise mieux, bref. Et du coup, les gauchers ont tendance à prendre un peu plus de risques au niveau des angles de frappe. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'un droitier, il est moins précis qu'un gaucher. Mais globalement, les gauchers ont des frappes. Que ce soit dans le tennis, que ce soit je joue dans le hockey, dans le foot, au volley aussi, on des angles plus précis. Mais du coup, c'est un peu plus risqué. Et quand vous êtes dans une demi-finale de Coupe du Monde avec
des dizaines de milliers de personnes, des milliards de téléspectateurs, enfin la pression quand même, c'est quelque chose que vous rencontrez rarement dans une carrière. Eh bien, il y a un petit risque supplémentaire. Maintenant, Roland, il a plus d'expérience que moi, évidemment, il connaît le foot mieux que moi. Il pense que c'est mieux comme ça. D'accord, moi je vous rapporte ce qu'on avait un peu trouvé à la lumière d'une étude faite par la DTN il y a quelques années, c'est que globalement, il vaut mieux éviter de mettre trop de gauchers ou même de mettre des gauchers dans les séances de tir au but. Comme ça, pour souvenir, mais en 98, quand on a la séance de tir au but contre l'Italie, c'est un gaucher qui se plante. Hein. Vous vous souvenez duquel ? C'était Lizarazu. Oui, voilà, Lizarazu. Lizarazu. En revanche, en 2006, et là, je pourrais vous raconter l'histoire, c'est Trezeguet, mais c'est différent, le contexte est différent. Il tire contre le gardien qu'il a en sélection, en club, pardon, qui en plus est le meilleur gardien au monde, Gianluigi Buffon. C'est pour ça que Zidane tente la Panenka aussi, parce qu'il le connaissait très bien, et qu'il voulait pas, il savait que Buffon savait où qu'il allait tirer à droite. Ouais, sans doute. Oui, sûrement même. Sûrement. Mais dans la séance de tir au but, c'est autre chose comme pression. Je pense que c'est une pression encore plus forte que celle d'un penalty. Penalty, vous avez X minutes des fois pour vous rattraper. Les tirs au but, c'est différent. Attendez, en équipe de France, non, il y en a quelques-uns des gauchers. Après, je pense que parmi les tireurs, bon, on a Nabil Fekir. Je vois Fekir, Hernandez, peut-être tirer. On verra si j'espère me louper, hein, moi, les gars. Hein, moi, 1-0 en 90 minutes, et c'est très bien. Hein. Surtout si la Croatie fait de nouveau une prolongation mercredi soir. Mais je n'aime pas du tout le jeu. D'ailleurs, la Croatie, vous la voyez passer ou pas? Je la vois crever, la Croatie. Je la vois, mais on la voit tous complètement crever. Après, oui, dans le foot, je pense qu'elle a un léger avantage par rapport à l'Angleterre. Et l'Angleterre a plus de ressources physiques et mentales, du coup. Elle a moins eu dans les fonds de tiroir que les Croates. D'accord. En tout cas, merci François Malardeau pour cette interview. Merci et bonne fin de Coupe du Monde. Hein. Ça va arriver vite, hein. C'est dimanche. Hein. Et après, peut-être la fête.